34 minutes de la deuxième finale de son histoire. Carton au Bruno Alves. Troisième joueur averti ce soir. Je rappelle qu'on a tout remis à zéro après les quarts de finale. Donc pour rater la finale, il faudrait une double jaune ou une rouge directe. Bale. Gunter. Williams, Gunter. Et qu'il n'y a plus que deux défenseurs centraux, évidemment, on demande. Je pensais qu'on aurait demandé aux latéraux de rester en phase défensive sur les phases arrêtées. Ça peut être utile aussi. Et pousser faut-il de Church. Gomez, qui reste sur ses appuis. Gomez avec cette passe magistrale pour Ronaldo, avec son contrôle, la sortie d'Ensi et Ronaldo dans le filet latéral. Quelle passe de André Gomez. Gamin de 22 ans au pays, Ricardo Quaresma. De Williams qui met la tête là où certains n'oseraient même pas mettre le pied. À l'image de ces Gallois, et il est très grand. Danilo, il est venu aider ses défenseurs centraux. Et là, il y a eu un contact involontaire entre Bale et Cédric, et carte jaune pour Gareth Bale. Donc le tournoi des Gallois s'achève, mais il faut tirer un énorme coup de chapeau à Chris Coleman et à ces joueurs qui ont réalisé le plus bel exploit de l'histoire du Pays de Galles. Une génération qui doit beaucoup au travail de Gary Speed, tragiquement décédé le 27 novembre 2011, qui était très proche de Coleman. Les deux hommes se connaissaient depuis 10 ans. Le Pays de Galles qui a réussi ce que n'ont pas réussi des générations, des joueurs pourtant exceptionnels comme John Toshack, Ian Rush ou Giggs. Aller jusqu'en demi-finale. Avoir fait pleurer certains Belges aussi. Bravo à ce Pays de Galles. Désormais, on ne parlera plus que de uniquement de rugby en faisant. Et voilà, c'est fini. Bonne Italie et tombé. Comme toujours dans ces cas-là, les contrastes des images, la joie d'un côté, la tristesse de l'autre, mais tristesse mêlée d'une énorme fierté pour les Gallois. Le Portugal jouera donc dimanche soir à 21h à Saint-Denis au Stade de France, la deuxième finale de son histoire, face soit à la France, soit à l'Allemagne, pour avoir l'adversaire réponse demain chez vous.
não. É muito calor? É, peraí, então eu vou pra ele. Thank you.
Santa Jedrinha. Essa merda vai aqui! Se não querer, eu vou queimar!